téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur HTN, Asian Television Network of Connecticut. Nom c'est Emmanuel Wids et nous comptons rentrer la CAO pour nous capable présenter le programme. Ça. Nous avons profité de l'occasion pour nous dire à tous élèves qui reprennent en chemin l'école, nous avons dit une bonne année scolaire. Et nous pensons que bon Dieu a accompagné et nous demandons des parents tout pour doubler de vigilance afin que Timounio soit capable de passer une très bonne année dans l'école. Et si toutefois tout ou besoin d'assistance, pas tant, eh bien c'est l'être arrivé, gagner réunion dans l'école, participer, si par contre parler anglais, eh bien faire un monde qui est dans la communauté, ou bien sous ma chaîne dans l'église, faire pasteur accompagner pour aller dans la réunion, ou bien l'autre monde qui gagne dans la connaissance en la matière, aller dans la réunion. Alors rapidement, qui s'en a gagné? Nous allons passer un petit temps avec frère Dukens, pasteur Dukens Molière, et nous avons fait une interview avec lui ça quelque temps pour qui ça, et question nous avons posé pour qui ça jeune yo l'œil dans le collège il pas retourné dans l'église haïtienne. Il y a pile monde qui t'a demandé pour interview ça et nous parlons bali dans son intégralité. Nous tous les mêmes gens. Donne des petits poissons, pas sur le courant. Dépensez pour faire mon critique pendant son papa jambé. Valez pas comme ça. Caribe Sachi. Découvert. Garçon qui a pas les femmes mal, mesdames, yo, ouais, yo. Yo, connais, yo. C'est dans la boue, yo, yo. C'est la même, yo, yo. Garçon qui a pas les femmes mal, mesdames, yo, ouais, yo. Yo, connais, yo. C'est dans la boue, yo, yo. C'est yo qui t'y est fort. C'est yo qui bague grand. C'est yo qui investit. Pendant moi-même après juillet, faut prendre conscience du mal, faut suspendre pas les mal. Si vous êtes un garçon total, pas de peine du moral. Garçon, en pile, en plaisir, que d'apprécevoir M. Dukens Molière, Frère Dukens, pour tout le monde qui connaît sous Norsa. Et Dukens, il a gagné une maîtrise en organisation. Management, Master in Organization Management, et actuellement là, l'a fait un master en théologie. Ça veut dire que le nom est M. Dukens Molière, son théologien à part entière que n'a pas. Alors je dis à gagner un sujet qui est très intéressant que nous pourrons essayer clarifier, faire lumière, parce que M. Dukens Molière, ou bien Frère Dukens, lui, c'est un monde qui balance dans tous les deux cultures, et le connaît ou bien, culture haïtienne et culture américaine. Et actuellement là, gagner une situation que congrégation haïtienne, l'église haïtienne, que c'est catholique, que c'est protestant, a fait face. Timounio, là où sont dans le collège, là où quitté high school, y aller dans le collège, y a pas de tendance pour y retourner dans l'église. Alors, avec Frère Dukens, nous pouvons essayer de faire lumière, nous pouvons essayer de connaître ce qui fait ça et qui solution que qui est capable d'apporter à la crise qui a ravagé l'église. Alors, son longue introduction, mais nous sommes obligés de faire. Alors, Frère Dukens, bonsoir et bienvenue sur HTN. Bon, nous disons merci avec Frère Wins pour l'invitation. Ça, c'est un plaisir pour nous-mêmes pour nous capables. Rentrer dans la communauté pour nous capables de discuter d'un sujet qui est assez important et c'est un plus gros problème nous capables de dire que l'Église nous a fait face avec lui-même de nos jours. Alors nous espérons que dans le titre, nous allons passer ensemble, at least nous allons shed light
dans quelques petits problèmes qui existent. Et comment nous pensons que nous avons arrangé la situation pour que les gens nous aller dans le collège pour retourner dans l'église pour nous supporter l'église dans la communauté. Alors, comme vous connaissez, comme dans l'introduction, vous avez dit, ou explorer tous les deux cultures, qui raison qui est capable de faire si moun sa yo là yo té dans l'église parce que c'est l'église qui aide yo, yo participé dans l'école du dimanche, yale dans toute activité l'église et puis à un certain moment là yo atteint l'âge puis aller dans collège et puis nou pa wè yo encore. Qui ça? Qui raison qui a fait ça? Bon, il y a plusieurs raisons pour qui ka cause ça arriver. Une première raison que nous gagne nous connaît que en pile fois le ti moun yo sorti dans surtout le dans elementary school, even à high school, yo plus en bas domination par yo. Et là, on a domination, en bas domination parent, ou plus vite capable de faire exactement sa parent mandé pour faire. Parce que nous avons dans le milieu haïtien, et nous avons ça très bien, depuis parent a payé bill car là, il expecte tout ça, il dit, c'est lui-même pour tout le faire. Mais cependant, le tout le monde a quitté quand les parents sont allés dans le collège, et puis après 4 ans, il fait dans le collège, là, c'est ça qui est arrivé. Premier, ça qui est arrivé, le tout le monde n'a pas intéressé encore dans l'évangile. Ça c'est une bagarre que nous devons accepter et en pile c'est ça qui arrive dans Timounio. Deuxième bagarre qui arrive, Timounio vient que ça crée une frustration avec fonctionnement l'église. Et troisième bagarre qui arrive, c'est une problème en pile leader nous pas prêter attention avec lui-même, c'est le Timounio yo que ça crée un craving pour une relation. Mais craving pour relation ça, c'est lui-même sont nous pas explorer et qui cause tout problème. Et comment expliquer ça? Craving pour relation ça. En pile fois nous mandé jeune yo le aller pour retourner. Mais cependant nous pas essayer pour nous capable créer une relation avec yo même pour essayer comprendre besoin yo, pour essayer comprendre comment yo senti yo, comment concevoir l'église. Yo mandé pour venir marcher là-dedans, ça c'est une. Et relation ça en pile fois nous dit well pour nous capable une relation ça faut qu'on fellowship tout pas vrai, mais si pas une relation pas capable qu'on fellowship et n'a mandé fellowship là en pile fois, mais cependant relation pas établi, c'est ça qui fait timoun en pile fois je dis you know what, pas même besoin là. Bon, mais gon situation c'est que et l'église yo fait ça au capable parce que yo permet à ce que jeune yo puisque c'est l'anglais qui domine yo et yo créer un espace tant qu'on gagne service côté que c'est la jeunesse qui travaille que c'est dans l'église protestante même dans catholique là ou ouais get des organes gagne petite activité qui fait pour jeune capable exprimer. Alors est-ce que ça n'est pas suffisant? To an extent il suffit. Cependant, le wap gade pour les jeunes qui sa le besoin, pas vrai? Soit gade service adoration nous. Nous plus basés sur service traditionnel, d'accord avec vous. Mais cependant, si vous explorez le type de worship service qui existe pour nous là, surtout le aller, selon l'église américaine qui allait, vous parlez de service traditionnel. Il y a un service qui s'appelle un contemporary worship service. Et contemporary worship service, ça, c'est la donne que Timounio joigne. Il retrouve la donne. Et le problème qui vient sous. Parce que, dis-moi Dieu merci dans la chance. Il y a une chance pour me passer président de jeunesse. Je suis capable de comprendre exactement parce que worship service ou le service d'adoration, ça nous fait. Nous seulement modifier quelque bagaille la donne. Mais cependant, l'Église en général expecte que service à Jean pour le faire, c'est une modalité qui déjà établit l'Église là. Mais est-ce qu'on pense tout et haïtien pour être capable et accorder avec un jeune ou pense que tu as supposé rejeter et fonctionne façon yo fait service à l'haïtienne pour être embrassé façon yo fait service et à l'américaine. M'a pas dit yon complete rejection, yon rejeté complètement. Mais cependant, yon bagay qui capable fait, c'est en pile dans la communauté n'a vive là pas vrai. Nous seulement gagne service, ça pas gagne yon service réellement qui sont contemporary service qui fait pour jeunes yo. Et sous prend le cas de New Life, pas vrai? Et souvent des jeunes si haïtien dans communauté ça. Contre l'église. Garantie ou l'abdou mal dans New Life. Pour quelle raison?
service qui fait là, son contemporary service. Alors, là, on parlait de contemporary service ou service qui marchait avec le temps. Qui marchait avec le temps. Et alors, plus, c'est adoration qui est dans ce service là et plus message. Alors, qui est-ce qu'on est capable de dresser un parallèle entre un service qui est contemporain, comme je dis, service notaire à dire, un service 21e siècle avec un service 20e siècle ou service traditionnel? Service traditionnel, pour moi, parce que c'est la donne moins levée, et pour dire vérité, moins style la donne. Comment aller? Nous voyons exactement l'introduction de ce service-là, prière sacerdotale, et puis nous prions chanter hymne. Message. Mais l'on a un service contemporain, il a changé net. Il a plus pas chanté hymne. Mais cependant, il a plus chanté chant adoration. Et côté que dans le chant adoration, c'est là sa team de jeûne. Parce qu'il y a un plus gros problème dans la communauté. C'est dans le hymne, chanter. Pas vrai, dans le hymne, nous chanter. Assez souvent, nous ne chantons pas en anglais. Mais le jeune Timon a chanté lui-même, il ne joue ni en créole, il ne joue ni en anglais. Et c'est ça que fait Timon a vivre chanter. Parce que si on a chanté un chant, on doit qu'on soit chanté. Et si on pas qu'on soit chanté. Alors est-ce que le problème l'anglais tout lui posé là? C'est qui une fait une, que, c'est ça, il y a un petit problème. Et ti haïtien, haïtien, jeune haïtien, puisque dans le plus souvent dans l'église haïtien, il fait tout service, toute activité en créole. Alors, c'est un coup, ils ont refusé, ils ont rejeté par rapport à la langue qu'ils utilisaient. Si vous parlez avec un jeune, il y a un problème dans l'activité de l'église. Je ne suis pas représenté. Mais l'homme a dit, mais représentation, ça qui soit demandé. Il dit, pas grand rien que fait pour moi dans le service. Non moins besoin béni. C'est ça qui m'oblige de sortir dehors, mal venir. Oui, mais est-ce que c'est l'anglais qui fait l'anglais? Alors que Timouna, il a évolué, ils sont bilingues, ils sont bilingues. Nous avons espéré que tout les haïtiens net, c'est yo bilingue, pas vrai? Mais souvent, ce n'est pas le cas. Mais sous la majorité de Timouna, l'église, les villes de Chitan dans l'église là, il y a des nous disent dans l'église, on ne comprend pas lui-même. Et l'homme est pour qui raison? Ou même frère, ou même zem. Qui sentit pour l'évangile la trop lourd pour ses épaules la foi ou dans des musiques ça nous toutes dans même bateau hein? I don't have a clue what you're talking about. So si nous besoin béni, si nous besoin de Timon, ça son Timon qui compte qui l'écrit les bon Dieu, nous obligé chercher un gens pour nous balle l'évangile là dans langue parle pour capable comprendre exactement et c'est une raison n'a qu'un bien mon ça dans l'église New York. Et ça veut dire que et puis ça a des conséquences tout. Ça veut dire que ou tout
puisque ça ti moun nan genye comme appartenance culturelle là tout appartenance en fait de haïtien tout ou a tout perdu une façon pour solutionner problème ça vous vérité si seulement nous t'es capable gagne deux services là, monsieur. Premier service là son service traditionnel côté nous fait le créole français anglais jonglère deuxième service là côté ou plus ouais s'il était capable gagne toward jeune yo pour capable kembe yo en dedans l'église dans communauté parce que soit garder pour yon un plus gros problème nous gagne tout jeune haïtien qui promet dans communauté guess what il a fonctionné ailleurs mais pas fonctionné dans communauté oui mais pas connait comme moi pas connait et communauté panyol là bien l'autre communauté yo mais il arrive que m'on allait dans l'église panyol yo et oui moi grand pile jeune qui a évolué et toute activité au fait en panyol est sur des merveilles et panyol là il connecté avec racine il connecté avec l'église li. Alors problème moi est-ce que tout ça parle gouf parce que m'étais parlé avec m'a partagé un capable dire parce que m'étais parlé avec docteur Magofi Eden Magofi et l'année dernière m'étais soulevé problème ça est-ce que tout travail de dénigrement qui fait au sein d'un niveau l'église m'a pas l'église générale bon, ça c'est un sujet pour Haïti sous Haïti parce que là ou prend un pasteur gay pasteur m'a généraliser gè des pasteurs, gè des prêtres, gè des ou série de prédicateurs. Vous comprenez qu'a parler depuis yo wè Haïti, yo wè c'est manger moun, c'est touyer moun, c'est vodou, c'est tout mal yo, c'est seul. Ça veut dire que pays d'Haïti pas grand en rien qui bien. Me rappeler mon le moi gè petite moi Julian et qui t'a l'église et puis gon prédicateur qu'a parler, y a parlé de manger mon dit dadi mais papa l'Haïti parce que on va le manger est-ce que vous comprenez côté même avec moi est-ce que ça tout pas constituer un problème qui fait les haïtiens hein? Et il vit sont-ils pas qui fait aux États-Unis ne sont-ils pas tellement en sécurité en compagnie des haïtiens et même le la marier tout ou elle pas tellement gain envie tout pour le marier avec parce que ti haïtien yo pas d'être dans l'église yo. C'est clair yo ba qui très très important. Tako tout à l'heure tu mentionné l'église Panyol, pas vrai? Gen yon pasteur qui dans même l'école avec moi. N'a parlé sous bilingual churches qui existait. Monsieur dit que ça listen. You're not alone. Moi gen même problème là. Et problème l'église comme ça son problème c'est deux générations qui ensemble qui baille problème là. Et monsieur a expliqué tant qu'on gagne un pasteur peut-être qu'on connaît monsieur c'est un pasteur qui est connu dans New York monsieur c'est Tim Keller monsieur gagne Redeemer Presbyterian Church qui commence seulement avec 100 monde actuellement l'église monsieur a rencontré chaque dimanche pour service d'adoration deux services d'adoration dans Hunter College avec une attendance de 5000 monde et tout ce monde qui était jeune dans l'église parce que ça qui sont parole quand on est allé dans l'église ça ce c'est toute communauté bilingual community qui a un problème ça mais le noir le mentionné tant que et dénigrement qu'a fait dans communauté est-ce que ça pas un impact oui il a un impact une raison pour capable comprendre l'homme des petits bah vrai il toujours fait me connaître que l'homme il dit mon ça son pastelier. Depuis mon Noël, tout le monde s'est fermé bouche yo, yo pas dire rien parce que ça sont homme sérieux, homme de respect absolu, respect absolu. Mais quand il a l'ordi, on dit pasteur, yo plus senti pour faoucher que pour bon respect ça au mérité ya. Et yon travail qui fait en dans la caillou qui nettement malhonnête qu'a dit hein. C'est façon parent concevoir pasteur et façon yo parler de pasteur en dans caillou. Et si mon cap grandi tant dans série de bagages comme ça qui vient internaliser tout bagage ça en dedans qui respect gagne pour pasteur pas bien respect et respect pour gagne la dit merci pasteur haïtien c'est comme ça mais pas nécessaire pour ma fonctionner dans communauté ça I need to step out aller yon côté pasteur gagne respect et assez souvent si mon de comme ça tout ça sont l'autre problème encore comme ça le mal l'église moins vle
pour nous moins béni. Moi voulais pour nous moins nourri. Et gongé un jeune qui était tombé très bien, il était visiter l'église. Il me dit que ça, you know, dit, listen man, it's a pleasure. It was a pleasure to have you in church. Dit, I'm looking forward to see you again. Je me dit, yeah, you can, you would really see me. Un seul petit problème qui présentait. Où est le mal l'église américaine? Le plus souvent, l'homme sort de l'église là, me joint pour juste toute semaine en net. Mais l'homme vini, ou plus apprécier mon pas instruire. Et dit plus besoin instruction qu'au prêcher. Et c'est avec instruction ça pour me capable changer fusil d'épaule pour me capable de maturité spirituelle. Alors c'est ça t'as parlé au commencement de l'interview que monsieur yo yo plus attaché à enseignement traditionnel, enseignement et 20e siècle là, alors que qu'on y a là et yo évolué. Mais du coup et qui est pas économique ça gagne sous l'église en ce qui a trait parce que c'est jeune ça yo qu'elle dans l'université et puis yo pas retourner dans l'église. You know, c'est son tête chargée. Raison. Parents nous yo font pile effort pour nous. Et nous capable dit par haïtien yo yo sacrifie en pile pour petit yo. Et sacrifice que yo fait assez souvent c'est propre tête par yo yo pas fait éducation par yo pour voyer petit yo l'école. Mais avec l'idée que ti moun nan li gen pou vinn aider communauté ça lever la dedans. Ça nous est si vous ne l'avez pas sorti, y aller, et économiquement, vous avez supporté la communauté, y a supporté la communauté américaine, qui n'a pas investi en rien là-dedans. Sous l'impact économique qui fait dans l'église, dans la communauté, c'est clair. L'église souffre, il a continué à souffrir. Il a quand même fait, mais tout. Il a quand même fait parce que c'est. Il y a un terme que vous utilisez et j'ai l'impression que ça, c'est un concept que pour nous apprendre. Il y a un bagage créé le. Get church marketing. Or market driven churches. Market driven churches, ou bay moun dans l'évangile 7. Mais cependant, gagner bagage. Que moun a besoin que l'église la doué bali pour capable supporter les capacités c'est ça que quid pro quo thank you c'est ça que quid pro quo I'm giving you something but I need something back I crush my back so if you don't provide then they're not gonna stay so c'est un problème qui gagne au côté nous pas style capable comprendre dynamique ça est-ce que vous parlez de aspect social yo, ou bien aspect toute bagaille général et quand vous avez un pasteur qui est en livre, monsieur dit que ça, you know, le roi prend soin d'un monde ou bien prend soin d'un chrétien, il doit être fait holistically speaking. Holistically speaking, ou take un mind, soul, and body. And body. Tous les trois combinés. Tous les trois combinés, et c'est une raison qu'on y a là, le prend soin d'un monde dans ce sens, que la monde a dit, you know what? I belong here. Et dernièrement, nous avons eu la chance d'assister à une belle fête qui était faite là. Nous avons fêté l'anniversaire et ensuite, nous avons fêté 15 ans de prêtrise. Alors, est-ce qu'on est capable de parler pour les téléspectateurs un peu de carrière ou en tant que prêtre qui, non seulement qui n'a pas commencé, mais pas quoi qu'il commence aux États-Unis? Non, je commence à Haïti. Je fais toute étude à Haïti. C'est mon Jacques-Mel. Moi, pour le diocèse Jacmel, j'ai fait toute étude en Haïti, j'ai passé grand séminaire, petit séminaire, j'ai passé des internes dans le séminaire pour les séminaires. Des séminaires, oui. Un petit séminaire, tout. Bien, bien. J'ai passé un bon temps dans le séminaire, j'ai fermé là pendant un bon temps, et puis après philosophie, j'ai monté dans la philosophie. Après Malcazo? Malcazo, oui. Malcazo dans la philosophie. Après philosophie, je suis monté dans la théologie, j'ai fait 4 ans théologie, 2 ans philosophie. Grand séminaire. 2 ans philosophie dans Caso, 4 ans théologie dans grand séminaire Notre-Dame toujours, qui crase et connaît avec tremblement de terre, ni Caso, au diable. Et puis, après un an stage, mais moi, je suis prêtre pour le diocèse Jacques Mel. Alors, et comment expérience a été, et vous-même en tant que prêtre,
Donc on est que, bon, naturellement, c'est aux États-Unis. Alors, qui ça te motive pour quitter peuple, communauté haïtienne, pour quitter Haïti, et puis pour aller desservir communauté haïtienne et aux États-Unis? Faut en premier, nous avons vu que Jacques Mel, nous avons un pile jeune, un pile groupe, nous faisons un pile groupe, un pile jeune, un pile monde, un pile la prière, à gauche à droite. Mais mission pas là seulement, hein, parce que bon Dieu, l'eau prête ou prête pour l'univers entier. Là pour là, dans le gros travail, ça, mon Seigneur, élevé, moi, je suis tout le là, moi, le tchot, là, bâti mon hôpital, l'hôpital du tchot, et ça, quelqu'un du tchot, c'est pas de gagner dans la communauté, ça, alors moi, je ouais, malade, c'est souvent quand il y a côté mon malade. Ma cour, il descend pour au prince la journée qu'on a nous avec fiancé. Pas de radio, personne n'a pas de nouvelles. Pour des nouvelles, obligé de monter son gros pied pour mettre une antenne. Oui. Ouais, ça, c'est pas possible. Là, je fonde une radio, les radios sacré cœur. Pas de l'eau. Là, je dis, bon Dieu, c'est pas possible. Pour la communauté, pas de l'eau pour le bois. Là, nous avons fait souci, c'était pire au moins descendre dans la zone. Nan. Mais c'est pas la mission, t'es toujours. Vous êtes vraiment l'autre côté. Même Haïti, je suis trois côtés avant de tomber aux États-Unis. Alors, dans le troisième côté, là, je demande mon Seigneur, s'il te plaît, si tu es capable de faire une expérience après un terrible accident. Tu fais tout le travail, ça me demande de faire. Après, Jacques Mel, je me fais un terrible accident pendant que tu as bâti l'hôpital, tu as tiré moi dans la colonne vertébrale. Et yo jeté moi dans ravine tant pour monde qui mourir yo tué chauffeur moi yo tué plusieurs monde pendant la nuit là et moi même yo jeté moi yo prend machine moi y a la machine. Alors voilà, après tant ça moi dit nous continuer travail, j'étais paralysé complètement comme dit mon yo moi il est Jésus me connait Jésus dans empilement relève hein les faire lever camper moi marcher de continuer travail à Haïti et puis après content moi de mon Seigneur. On avait une fois expérience ici aux États-Unis. Alors, expérience aux États-Unis, naturellement, États-Unis est vaste, il y a plusieurs, il y a 50 États. Alors, qui côté même où tu es premier atterri dans l'expérience que tu as fait aux États-Unis? Alors, voilà, je suis rentré pour m'étudier dans DePaul Université. Alors, on parlait de Chicago. De Chicago. J'ai passé 2 ans à étudier dans DePaul Université. Là, moi, j'ai desservi tout, communauté haïtienne, dans Jeffrey. Lady of Peace, la me dégan pilan pilan zami là, tout le monde servi communauté ça pendant un petit temps, tout le monde de Chicago. Et puis là de Chicago, évêque moi, mandé pour venir ici plutôt, mandé pour venir ici dans diocèse Bridgeport. Alors est-ce que, bon, naturellement, pensez que évêque ou mandé pour venir dans diocèse Bridgeport, ou des services Chicago, vous pensez que c'est avec les larmes aux yeux que mon Chicago est accueilli des paroux pour Bridgeport. Alors toujours dit, tout ça pas au bouillon, il est bon pour l'autre. Alors l'arrivée et Bridgeport, alors comment situation est-ce que comment ouais la communauté haïtienne dans Bridgeport et à qui challenge? Qui défi qui te paraît devant et que ou est nécessairement faut lever ou faut faire face à lui-même. L'homme te fait arriver faut bien dire ou pas spécialement travailler avec you. Tu as 5 communautés m'ta travaille, 5 paroisses. C'est Saint-Ambrose, là m'ta gagné résidence moi. M'ta travaille ici à tout, m'ta travaille Saint-Patrick, Holy of Good Counsel et Blessed Sacrament. Je fais back and forth dans plusieurs paroisses chaque jour et puis plusieurs nursing rooms. Je travaille là-dedans. Et c'est après 1 an, diocèse, Monseigneur Bishop Laurie, nous-mêmes ici comme vicaire. Et donc, je vais desservir toute paroisse, qui est brésilien, qui est haïtien, qui est américain, qui est spanish. Je travaille dans tout. Alors, est-ce que ce n'est pas facile? Parce que nous connaissons où c'est la communauté. Déjà, à bord, t'es fait mal. Et puis, pour travailler avec toute communauté, ça. Est-ce que ce n'est pas facile? Ce n'est pas facile, vraiment. Ou moins responsable de la communauté haïtienne, pour moi, desservir toute l'autre communauté. Si vous avez besoin de la messe, confession, vous rencontrez avec un prêtre, alors vous êtes malade, vous servez avec. Moi, desservir votre communauté haïtienne, vous regardez plus. Donc, communauté espagnole, regardez plus administrateur paroisse, c'est Orozco. Communauté brésilienne, regardez plus, et y a l'autre vicaire qui est dans la paroisse là, qui c'est Père Péry.
Alors c'est comme ça qu'on fait pendant ce temps-là. Il y a une répartition. Mais si on pas là, l'autre la découvert, il y a officiel. Et qui s'agit quoi signifie pour vous-même? Alors est-ce qu'on est capable de faire une explication sur ça? Jéricho a connu dans la Bible. Ouais, c'est Jéricho, Miraille, la Crasie. Ouais, dans la Bible, c'est dans le livre Josué. Ou a vu une histoire Jéricho. C'est même bagaille. Ou a pu être Sedna. Ou a vu Sedna pour nous. Dans le moment Jéricho. C'est une grande prière de libération, de louange. Jean, ça fait partie dans l'ancien contrat. Eh bien, nous-mêmes, jour et jour, nous reprendre pour faire peuple bon Dieu à vivre. Eh bien, merveille, bon Dieu capable de faire. Là, de nous fait un pile somme. Ouais, et somme 100 par exemple, appel à la louange, fait louange pour bon Dieu de tout côté, lever mes mains en l'air, battre bravo, dire merci pour tout ça, le fait pour nous. Nous prenons somme, tout somme, nous servir avec eux pendant Jéricho, nous par exemple somme 23, pour nous reconnaître bon Jésus-Christ comme bon berger, nous bon gardien, nous, les mêmes qui va quitter nos péril, les mêmes qui la pour protéger nous la journée, pour la nuit.